Oula, on va aller au capteur. Hey, salut à tous, c'est Riel, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une mini lanterne citrouille. Donc, pour ce faire, en fait, il te faut la mini citrouille en question. Des couteaux, d'une cuillère pour pouvoir la creuser et d'un feutre. Une fois que tu as tout ça, je te montre comment on fait. A de suite. Mais voilà, alors pour commencer, tu as juste à dessiner le visage avec le feutre. Voilà, vous embêtez pas à faire quelque chose de trop compliqué parce que de toute façon ça sera tout petit. Voilà, c'est pas très original mais ça donne ça. Voilà. Ah, j'ai oublié quelque chose de très important, je vais vous le chercher. Tu as besoin de ça et de ça aussi, hein, très très important. Pouvoir mettre tout l'intérieur de ta citrouille à l'intérieur et puis à la fin une bougie c'est mieux pour éclairer. Et après tu découpes doucement donc tu pleins. Un détail, si jamais vous voulez dessiner sur votre citrouille, faites pas comme moi, prenez un marqueur qui tient et pas juste un feutre. Voilà, parce que je suis en train de les passer. T'as plus qu'à creuser. Bon, je finis de la vider et je vous retrouve après. A de suite. Donc voilà, une fois que tu as fini de la creuser, t'as plus qu'à découper le visage que tu as dessiné juste avant. Voilà. S'il y a des plus jeunes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous faire assister par un de vos parents. Ça vous évitera de vous couper un noir. Ça peut toujours servir d'en avoir. Donc je finis de découper tout le visage. A de suite. Ça te donne ça. Voilà. Donc après, il ne reste plus qu'à allumer la bougie et à la mettre dedans. Et voilà. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, à liker et à partager, ça me ferait super super plaisir. Comme sur toi. Et sur ce, super Halloween, puis je te dis à la prochaine. Allez, ciao. Aujourd'hui on vous amène à Disneyland pour fêter Halloween.